très belle œuvre nous a été mise en dépôt par l'hôpital de Périgueux, car elle se trouvait autrefois dans le château de Trélissac à l'entrée. Et la femme qui est représentée sur ce portrait est Madame Alfred Magne, née Mathilde Verlet. C'est son mari Alfred qui avait construit le château. Ce portrait qui est magnifique est tout à fait dans l'esprit Napoléon III, hein, si on se rappelle des portraits de génie par Winterhalter. Et l'auteur d'ailleurs, Carlson, est lui aussi d'origine allemande et a fait beaucoup de portraits des personnages importants de cette époque. Le père d'Alfred, Pierre Magne, a été ministre sous Napoléon III pendant très longtemps. Alfred lui-même a été sénateur de la Dordogne. Et donc, Madame Alfred Magne vient ici dans les collections. C'était très intéressant pour l'histoire de la ville et la qualité picturale de ce portrait. Et en plus, elle est très douce et elle porte cette rose qui est le symbole du mariage et de l'amour.